avec son parachute. On a appris tout à l'heure que dans le bateau, ça datait de 1914 et c'est des sous-mariniers allemands qui ils envoyaient leurs repéreurs en parachute et en fait du coup ils défonçaient leurs ennemis et en 1945 et ben c'est devenu une attraction. Voilà comment est né le parachute ascensionnel. C'est cool, hein. Et là on est à 80 mètres. Donc franchement, pour quelqu'un qui a le vertige, vous pouvez le faire. Il a relâché du lest. On va tomber dans l'eau. Si on tombe dans l'eau, je vais le tuer. Ah, il a lâché un peu de lest là encore. Non, il va nous monter plus haut, ça y est. Il va nous monter plus haut. Non, regarde, pas. La corde elle va se tendre. Et quand elle va se tendre, on monte plus haut là. Génial. Dans le bateau, bien oui. D'être ça pour rigoler. Je suis pas sûre. Non, on verra. Regarde où on est. Regarde où on va atterrir. Non, t'inquiète, c'est t'inquiète. Pas bien s'il fait ça en dernière minute. Franchement, non. Non. Ah, il y avait un poisson. Nika, hein. Non.